Adrien est mort. Adrien est mort. Il a été tué, il avait des traces sur lui. Et Adrien est mort, putain, il est mort, il a été tué, il est mort. Quoi? Qui? Quoi? Quoi? Il était allongé, il respirait plus. Il respirait plus, Adrien par terre mort, plein de traces dans le cou. Il respirait plus, j'ai rien pu faire. J'étais en train d'annoncer la nouvelle. C'est pas possible parce qu'on était tous ensemble, il y avait juste... Je vous avais dit que c'était un traître, ça se voit putain, fallait le tuer. Donc, avant qu'un de nous clame encore une fois, on va voter. Qui est prêt à le tuer? Oh, je vous assure que je comprends rien du tout là. C'est pas moi! Un putain de traître, il fallait le tuer putain, fallait le tuer! Non mais Lucie, faut se faire soigner là. On pourrait penser que t'es une criminelle, on va pas le buter. Arthur va mourir. Ceux qui sont pas d'accord, vous pouvez aller en parler à la milice. Il représente un danger, alors à moi que vous ayez envie de le livrer vous-même, ou le but et puis c'est tout. Ici, c'est pas la fin de la justice. Lucie, fais pas ça. Je t'en supplie. Par pitié, fais pas ça. Je vais se peiner pour vous, d'accord? S'il te plaît, Lucie, fais pas ça. Je vous en supplie. C'est pas moi qui ai tué Adrien! Je vais m'en occuper, ok? T'as eu ta tête? On dirait que c'est toi qui es morte. Pas trop beau, Zach. Eric, s'il te plaît. Non, Eric, tu veux pas faire ça. Eric, s'il te plaît. Non, 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 Eric, s'il te plaît, arrête ça. La nuit d'hier était une perte horrible pour tout le monde. On a perdu un homme fort et courageux qui osait toujours se battre pour nous. Et plus récemment, un ami. Mais faut pas qu'on perde de vue notre objectif. Faut qu'on reste fort, qu'on reste soudés.
Il sera pas mort en vain, je vous le jure. Je m'occuperai moi-même de l'enterrer là où il est mort. Non, je veux l'enterrer. C'est mon ami. Non, 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 c'est moi qui m'en charge, c'est mieux comme ça. Quelqu'un a quelque chose d'autre à rajouter ? Adrien avait un ordinateur portable que son père lui avait fait passer. Il m'a appris à m'en servir un peu et à éviter les blocages. Pourquoi il ne l'a pas dit avant ? C'est très bien, on va pouvoir s'en servir pour se développer. Tu me le passeras après, comme ça on le met en lieu sûr. Non. 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 Adrien m'en a parlé parce qu'il me faisait confiance. Et y a que moi qui sais aller sur Dark Web ici. Donc pour le moment, je le garde, c'est à prendre ou à laisser. Adrien allongé, le corps inanimé. Je suis restée choquée. Mais quand je suis revenue, Lucie faisait l'annonce. Mais elle mentait. Elle l'avait déjà vue, elle mentait, j'en suis sûre. Calme-toi, Lydia, calme-toi, putain. Tu veux tout faire capoter ? Tu veux briser le peu d'espoir que nous avons tous ? Non ? Alors pour l'amour du ciel, tais-toi. Tu me crois pas, c'est ça ? Pourquoi il l'aurait fait ? Pourquoi il se serait simplement détaché pour aller tuer Adrien sans s'échapper après ? C'est Lucie qui propose de le condamner, et Eric qui tue Arthur. Tais-toi, ils sont amoureux donc ils cèdent. J'aurais fait la même chose pour toi. Pourquoi tu te soucies toujours d'eux ? Hein ? Pourquoi tu te préoccupes pas de moi pour une fois ? Tu devrais un peu t'inspirer d'eux, bordel. De quoi ? T'as pas le droit de me parler comme ça. Adrien et Arthur ne sont plus là, et toi tu étais aussi pour le meurtre d'Arthur. Après tout, toi aussi t'es une meurtrière. Tais-toi Lydia, ferme bien ta gueule. Pourquoi vous avez fait ça, putain ? Va faire foutre. If you can't come with me, I'll understand. Par le dark web pour vendre l'alcool. Mm-hmm. En évitant les contrôles, bien entendu. Ah bah oui, c'est ce que j'ai compris. Et tu sais t'en servir au moins ? Bah oui. Enfin, c'est parce que Adrien m'avait expliqué. Mais c'est super, parce que
on vend direct le truc. Les gens, ils ont pas forcément besoin de nous connaître. On les livre. Et comme ça, on élargit la clientèle. C'est pas un salon de coiffure non plus. Oui. Oh, regardez le prix de l'alcool sur les autres sites. Mais c'est tellement cher. 50 euros francs à bouteille, ça vous jette? Oui. On va la mettre 45 euros francs. Vas-y, essaye de faire une offre, pour voir. Les secondes passent. Un son lourd résonne dans la pièce. J'attends jusqu'à la dernière seconde pour me lever. Profiter du calme avant la tempête et se dire que tout ça sera bientôt fini. C'est le seul moyen de survivre. Je jette un coup d'œil sur le petit calendrier que j'ai gravé à la main. Une succession de petits carrés cochés les uns après les autres qui continuent tout jusqu'au dernier, jour de ma libération. Bientôt 2 ans que je suis ici. Je ne regretterai jamais cet endroit. Le couloir désert. Il n'y a jamais personne à cette heure-là. Mais ce n'est pas une raison pour traîner. Car les surveillantes qui tournent dans les couloirs une fois la nuit tombée pour vérifier si aucune élève n'est hors de sa chambre peuvent se montrer particulièrement vicieuses quand elles tombent sur l'une d'entre nous. L'avoir vécu une seule fois m'a appris à me méfier d'elles comme du sida. Salut Lucie. Je t'ai déjà dit 100 fois que moi c'est Ellie. Moi c'est Ellie. Il y a marqué quoi sur la porte? Katia Gregestaya, ça c'est moi. Et Lucie Bock, c'est toi. Donc à moins qu'en plus d'être bizarre, tu saches pas lire, c'est Lucie. Alors maintenant, tu la fermes et tu ramasses ses papiers. Fais-le toi-même. Pardon? Je crois pas avoir bien entendu. Peut-être que si tu utilisais ta voix normale. J'ai dit... Fais-le toi-même. Je crois que tu te rappelles pas ce qu'on a convenu la dernière fois. Alors je vais te le rappeler. Soit tu la fermes, soit... Tu dis à la directrice que je suis. Et t'es quoi? PD. Dis-le plus fort. PD. Va te faire foutre. Qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi êtes-vous encore debout à cette heure? Vous savez, Lucie est extrêmement maladroite et c'est pas la première fois qu'elle se baisse toute seule. Elle a voulu se lever de son lit pour aller aux toilettes et elle s'est assommée avec la lampe. Mais vous inquiétez pas, tout va soit. Bien. Soit. Mais la prochaine fois, faites attention. Hein. Bon, maintenant éteignez et qu'on n'en parle plus. Bien, madame. T'avises même pas d'en parler. Je ne réponds pas et m'allonge dans le silence qui remplit l'espace de nouveau. Alors que mon esprit commence à divaguer, je fixe le plafond carrément, en répétant la même phrase en boucle. C'est bientôt fini. Ah bah voilà. C'est bon? C'est bientôt fini. Bah ouais, regarde. Bouteille d'alcool, 45 francs. Tu gères, Jonathan? Bon, je n'ai pas fait grand-chose. Hein. C'est surtout Katia, là. Ouais, merci. Regardez, il y a plein d'autres trucs. Il y a de l'alcool, il y a des préservatifs. Il y a des habits, il y a de la bouffe. Bah, il y a tout en fait. Bah ouais. Mais c'est souvent dans des coins paumés ou trop chers. Il n'y a pas de lanterne. Ouais, c'est des coins extrêmement paumés. Oh, regardez! On a une commande, 3 nouvelles bouteilles! Non, déjà. Oh, mais oui! Mais c'est où? Avec Ellie, on s'en charge. Putain, c'est hyper loin! C'est où? C'est à... Milture, c'est le village avec l'église hyper moche, là. Ouais, je vois où c'est. On pourra peut-être passer par l'arrière, prendre le vélo. Mais on fera comment quand on n'aura plus de bouteilles? D'ici là, on aura déjà révolutionné le monde. Hein. Faudra penser à rationner. Où est-ce que Lucie se fasse rembaucher à l'usine? Elle est conne aussi, pourquoi elle est partie? On a tous nos raisons. Oui, enfin, si on veut tenir, faut quand même déjà commencer à rationner, quoi. Ah.
On a essayé d'appeler Arthur. Et il y a un message dessus. Ah merde. Vas-y, montre-moi. Bonjour Arthur, c'est Thierry Boulquier, le journaliste de la chaîne. Je voulais confirmer le rendez-vous d'après-demain pour l'interview spéciale Enfants avertisseurs du gouvernement qui sera diffusée lors du journal télévisé. Je voulais savoir si, comme convenu, on se retrouvait bien à 19h30 à Mercan, au parc pour enfants du village de l'orphelinat dans lequel vous avez été recruté. Nous pourrons discuter avant le direct de 20h15. Bien entendu, je vous rappelle que l'équipe du journal s'occupe de préserver votre anonymat en floutant votre visage en direct. Il faut qu'on saisisse cette chance pour faire parler. Voilà, si vous pouviez me confirmer que tout est bon par texto. Ouais, ça va être notre première vraie action. À très vite. Ok. Mesdames et messieurs, devant vos yeux ébahis, veuillez accueillir l'homme qui va vous faire connaître d'absolument tous les journaux télévisés, le beau, le merveilleux, le mérifique, Jonathan. Ouais. Sans oublier son fidèle acolyte, Arthur. Ouais. On l'applaudit bien fort. Il n'est pas censé être mort, Arthur. Si, et justement, on va le remplacer. Très bonne question. Je propose ma candidature, pourquoi? Parce que d'abord, c'est mon idée, et surtout parce qu'on est deux garçons avec Eric. Et Ellie, bien sûr, que l'on n'oublie pas. Écoute, moi ça me va si tu t'y colles, mais à une seule condition. Tu respectes le plan à la lettre. À vos ordres, chef. T'inquiète, ça va le faire, on va rester discret. Et je prends l'identité d'Arthur pendant tout le truc. Ouais. Je me sens un peu mal, je sais pas, tu vois, d'utiliser son identité après tout ce qui s'est passé, après... Oui, enfin, lui, il a pas hésité à nous manipuler, à tuer Adrien, écoute. Il sera pas mort en vain, t'inquiète. Puis on a un beau message à délivrer, ça va le faire, je te jure. Ouais, c'est vrai. Tu peux arrêter, s'il te plaît, là, ça m'énerve, j'ai envie de te frapper. Pardon ? Livraison effectuée. Et avec aucun problème. Hey, quel timing, on a toute l'équipe au complet. On vient de finir les détails pour l'intervention au journal. Je vous explique le plan. Pas tout de suite, non. Julie, tu comptais nous en parler maintenant? Ou alors tu as volontairement omis de nous partager ce détail? À moins que tu aies retrouvé un téléphone, je vois pas de quoi tu parles. Ok. Laisse-moi te rafraîchir la mémoire alors. Bordel, mais qu'est-ce que t'es en train de faire, Mila? J'essaie juste de comprendre avec qui je traîne. Et si personne n'est coopératif, c'est moi qui vais faire les présentations. C'est quoi? Qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Je sais pas. Explique-nous. Bah alors, c'est une personne et la faire tuer, ça te suffisait pas? J'essaie juste de me sentir en sécurité, donc tu vas arrêter de penser que je suis une folle, ok? Bon, accouchez là, qu'est-ce qui vous met dans tous ces états? Putain, mais résister, c'est plus que crier deux ou trois messages ou taguer des slogans sur des murs. C'est avoir des principes et des idéaux pour lesquels se battre. On rentre pas dans un truc uniquement par plaisir. Ok, on se connaît que depuis l'orphelinat. Surtout toi, Julie. T'es arrivée, t'avais quel âge? 14 ans. Ouais, très bien. Bah oui, je le sais, t'avais 14 ans. Donc c'est légitime de se demander pourquoi tu quittes une petite vie toute tracée pour entrer dans un mouvement plus qu'incertain. Une vie toute tracée? L'orphelinat, c'est la boîte nucléaire russe. C'est pas là-bas que j'ai cherché un avenir. Julie, je lavais tes vêtements. Et je suis tombée sur quelque chose, un petit bout de tissu dans une poche, tout petit. C'est juste une étiquette. C'est juste une étiquette? Avec un blason dessus. Genre, le même blason qu'avait Adrien. Julie... C'est vrai ce que dit Mila? Mais qu'est-ce qu'on en a à foutre de si c'est vrai ou pas? Lâchez-lui la grappe. J'ai grandi dans une famille de riches. Et alors? Ça me rend moins légitime d'être ici? Ouais. J'ai pas choisi mes parents, Mila! J'ai pas choisi mes parents, Mila! Dis-nous pourquoi on devrait te faire confiance! J'y suis allée moi-même à l'orphelinat, parce que je supportais pas leurs idéaux. Comme vous tous, vous les supportez pas! J'ai d'autres comptes à te rendre. Donc t'as quitté ton petit confort de princesse pour venir chez nous? Mais quelle âme charitable, Ange! Mais franchement, t'aurais pu nous le dire avant de te trouver une excuse à la con. Y'a d'autres gens qui mentent ici. Hé, hey, je suis pas une menteuse. T'es qui pour me juger, connasse? Dégage. T'es allé trop loin. Écoutez, calmez-vous. On va se détendre les nerfs, ça sert à rien de s'énerver, là. Ce soir, on se couche tôt, demain, c'est le grand jour. On va pas s'éparpiller maintenant. Julie, tu la récupères ou je l'enterre? Lave-toi avec.
les rasoirs Perfect Shaving, soyez un homme, un vrai. Après plusieurs mois de travail acharné, nous pouvons, en cette journée nationale de l'enfance, vous présenter les enfants de notre patrie, ceux qui se dévouent pour nous, pour notre sécurité, les yeux du gouvernement, nos avertisseurs, que nous appelons aussi espions, bien qu'il s'agisse d'un abus de langage. Ce dossier spécial Enfants de la Patrie a été monté par Thierry Boulquier, qui sera en duplex ce soir avec un avertisseur durant le journal. En attendant cette interview exclusive, je vous propose un documentaire toujours réalisé par Thierry Boulquier sur ces enfants de l'ombre qui assurent notre sécurité face à l'incivilité. On devrait commencer à bouger, il va bientôt être l'heure. Ouais, allez, on se prépare. On fait deux groupes séparés. Bon, allez. Bon courage, les gars. Et Eric, fais attention à toi, s'il te plaît. Pour les lanternes. Pour Adrien. Pour Adrien, ouais. Allez, on y va. Alors Arthur, pas trop stressé ? Je passe à l'antenne dans 5 minutes. Comment tu te sens ? Je suis prêt. C'est ici, dans ce parc pour enfants, qu'aurait pu grandir notre avertisseur si son passé avait été banal. À l'occasion de la journée nationale de l'enfance, je suis allé rencontrer un de ceux qui agissent dans l'ombre dans le but d'assurer notre sécurité. Ce rôle si singulier qui en fait rêver plus d'un. Avec les rasoirs Perfect Shaving, soyez un homme, un vrai. C'est ici, dans ce parc pour enfants, qu'aurait pu grandir notre avertisseur si son passé avait été banal. À l'occasion de la journée nationale de l'enfance, je suis allé rencontrer un de ceux qui agissent dans l'ombre dans le but d'assurer notre sécurité. Ce rôle si singulier qui en fait rêver plus d'un. Au sommaire de l'actualité nationale ce soir, l'ouverture d'un nouveau centre On passe à l'antenne dans 3 minutes. Ok. Aujourd'hui, journée nationale de l'enfance. Nous serons dans quelques instants en duplex avec Thierry Boulquier qui a décidé de rencontrer les enfants avertisseurs qui remédient sans cesse au manque d'informations dans les provinces. Ces enfants sont la fierté de notre pays, a déclaré aujourd'hui notre président. Troisième sujet de ce soir, une bonne nouvelle, le chômage a chuté de 2% depuis la présidence actuelle, selon le site officiel du gouvernement. All of the miles you want me to walk. Chers téléspectateurs et téléspectatrices du chaos ambiant créé par notre gouvernement, afin d'éviter toute effusion de sang. Le gouvernement a besoin de ça, a besoin d'exemple. Les gens ont besoin de ça en ce moment. Et notre but est d'apporter espoir, paix, liberté et équité. Nous demandons d'abord le rétablissement d'une liberté d'expression et de pensée qui nous a été retirée depuis trop longtemps. Nous demandons ensuite le rétablissement du pluralisme des partis politiques. Demandons la nationalisation des services publics de santé afin d'offrir l'accès aux soins à tous. Demandons l'arrêt immédiat de l'obligation de se rendre dans un centre de reproduction citoyen. Cela constitue un viol.
Nous demandons à cet État corrompu de cesser de profiter de la crise actuelle pour s'enrichir grâce à des mesures ultralibérales et de rendre sa juste définition au terme de démocratie en redonnant son pouvoir au peuple. Courage. Et ensemble, résistons. Mais n'oubliez jamais, nous sommes les lanternes. Vous avez perdu la tête, vous allez nous tirer dessus comme ça, sur des jeunes sans défense? C'est vous les terroristes! Nous on est des jeunes, et on profite de notre liberté d'expression! C'est ça l'état de droit, hein? C'est ça la liberté! C'est ça la liberté! Putain, Jonathan, dégage! Dégage, gueule! Va me faire foutre! Oui. Je suis les comptes! Julie, tu dors? Je dormais avant ici. Mais quelle idée de dormir à 6h du matin. Je veux dire, qui dort à une heure pareille après un événement comme celui-ci? Oh, laisse-moi tranquille. Quand tu auras fini de faire le chat, tu voudrais pas venir me parler? On peut pas faire ça ici. Non. En privé, c'est mieux. Je t'attends dehors. J'aime pas trop cette tête. C'est bon, j'aime pas non plus la tienne, mais je dis rien. T'es con. Qu'est-ce qui se passe? J'ai réfléchi. Il y avait cette pub de merde hier à la télé, celle juste avant le journal. Et en fait, je crois que je suis dans le bon corps. C'est juste que depuis tout petit, on m'y a enfermé, on m'a dit que c'était celui d'une femme. Alors ok, il y a plein de trucs que j'aime pas dans ce corps. Genre ma voix, ma carrure, ma beauté incroyable. Et des fois, c'est juste chiant d'être juste le gars trans du groupe. Mais c'est mon corps. Et je crois que je l'aime. J'ai juste que, vu que c'est le mien, j'ai le droit de me le réapproprier, non? Oui, t'as raison. Mais tu comptes faire comment? Je compte commencer une transition hormonale. C'est-à-dire? Pour faire simple, je prends des hormones et je me réapproprie mon corps comme je veux. Genre, comme ça. Pouf. Pouf. Enfin, un pouf sur plusieurs années. Et qui a un coup. Mais un pouf quand même. Et c'est pas dangereux? Aux dernières nouvelles, je garde l'usage de tous mes membres.
Après, il peut y avoir quelques complications. Comme avoir des poils partout et un caractère primitif. Genre un homme des cavernes qui sait pas aligner trois mots. Ou Eric, si tu préfères. T'es sûr que tu veux le faire, alors? Il me faudrait l'ordinateur de Katia pour faire 2-3 recherches. Et pour l'argent, j'ai des économies de l'orphelinat. Tu voudrais bien m'aider? Ouais, je vais voir avec Katia, je pense que ça posera pas de problème. Ah bah tiens, quand on parle du loup. Katia, viens voir. Salut Juju, ça va? Ça va, sauf que je savais pas qu'on pouvait être autant crevé. C'était une grosse soirée hier. Pour une fois qu'on avait quelque chose à fêter. Oh, et t'aurais dû voir la tête de Lucie quand Eric t'invitait à danser. Arrête. C'était magique. On aurait un truc à te demander, enfin. Ellie aurait un truc à te demander. J'ai besoin de ton PC pour faire 2-3 recherches. Des recherches? C'est privé. Mais c'est important. Faudrait passer commande? Ouais, ça serait cool que tu nous aides. Et pourquoi je t'aiderais? Pour avoir mon respect et ma gratitude éternelle. C'est ce que tu voulais à l'orphelinat, non? Écoute, je sais qu'on n'a pas toujours été en bons termes. Mais apparemment, maintenant, on est du même côté. Et si tu veux pas que le passé ressorte et que tu perds toute crédibilité ici, juste aide. J'ai un truc à savoir. Deal. Deal.